Notre appartement à ma famille et moi, je l'aime bien, même s'il est assez petit. En fait, il y a une chambre pour mes parents et une chambre pour mon frère et moi. Ouais, j'aimerais bien avoir une chambre qu'à moi, mais bon, faudrait qu'on soit beaucoup plus riche. Là, c'est nous en train de regarder « Touche pas à mon poste ». En fait, ce qui est assez bien quand on a un petit appartement, c'est qu'on se colle tous les uns avec les autres. Et on se tient chaud. Ce qui fait que c'est assez bien et on se sent comme dans un petit nid douillet. Bref, samedi, je suis allée chez ma copine Eugénie et elle, c'est juste tout l'inverse. Elle habite dans l'appartement le plus géant que j'ai jamais vu de ma vie. En fait, l'appartement de mes parents, on pourrait le mettre dans son entrée. Ses parents, je crois que c'est des milliardaires incroyables. Ils ont des belles maisons partout. Il y en a une à la campagne un petit peu plus loin, une à la mer dans le nord, une à la mer dans le sud où ils vont quand il fait un peu chaud. Et genre, ils en ont d'autres que je sais même pas. C'est hallucinant. Moi, je connais que son appartement et sa maison de campagne. Enfin, bref. L'autre jour, j'étais dans son appartement et voilà ce que je lui ai dit. Faut que j'aille au WC, j'ai un peu mal au ventre là. Vas-y, cinquième à droite, tu vas tout droit. Au bout du couloir, c'est la première toilette de droite. En fait, c'est rigolo. Ils ont des maisons partout, mais ce qui est vraiment très marrant, c'est que c'est toujours très très mal rangé chez eux. Il y a du bazar partout, partout, partout. Même dans leurs toilettes, il y a du bazar. Il y a des petits tableaux et tout. Bon, bref. Je suis sortie des toilettes et voilà ce que je lui ai dit en mode, je fais une petite blague. Hey, Eugénie, à chaque fois que je viens chez toi, je me dis, comment ils font pour vivre dans un tel bazar alors que c'est carrément géant chez eux? Ah ouais? Ben moi, quand je suis chez toi, je me dis, mais comment ils font pour vivre dans un truc grand comme mes chiottes? Mais c'est juste le pire truc horrible et gratuit qu'on m'ait dit de toute ma vie. Ça m'a trop choquée, quoi. J'ai raison, non?